Yep, tout le monde, c'est Wargamer, on se retrouve pour l'épisode numéro 4 de la saison Minecraft tuto. Donc pour cet épisode là, je vais vous montrer comment créer une porte qui fait du 2x3, donc 2 de longueur et 3 de hauteur. Alors très important en fait, oui c'est très simple de faire une porte de 2x3, mais en fait la porte est fermée et on va appuyer sur un bouton pour qu'elle s'ouvre. Donc je vais vous montrer comment faire. Donc tout d'abord, les matériaux, donc on aura besoin de redstone. Donc voilà. Je l'ai mal pris. Voilà. Ensuite, on aura besoin de torches de redstone. Des répéteurs de redstone. Des pistons collants. Et pour finir, un bloc que vous aurez choisi. Donc moi, c'est des blocs de fer. Ensuite, très important, vous pouvez voir qu'on est dans un autre bâtiment. Car là, avec ma team Game Battle FR, on est en train de créer un serveur quoi, un bâtiment spécial pour le serveur, etc. Et en fait le bâtiment des tutos, etc., il était à côté, donc ça a gêné, etc. Donc on a dû le supprimer. Et je me suis dit mieux en faire un autre qui sera plus joli, etc. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc ce qu'on va faire, vous allez prendre un point et vous allez commencer pour créer la porte. Donc vous allez prendre trois pistons et les mettre, vous allez en mettre trois de hauteur comme ceci. Ensuite vous mettez des blocs de fer. Comme ceci, vous laissez deux d'espace. Ensuite, le troisième, vous mettez rien. Et le quatrième bloc, vous remettez trois pistons collants. Et après, vous remettez des blocs que vous aurez choisis. Comme ceci. Ensuite, ce qu'on va faire, alors, derrière, par exemple, celui-là de gauche, on va mettre un répéteur de la redstone. Au deuxième piston collant, on va mettre un bloc de fer, bah plutôt deux. Ensuite, un répéteur de la redstone. Ah non, excusez-moi. De la redstone, voilà. Ensuite, on va en quelque sorte relier tout ça. Voilà, comme ceci. Ensuite, de l'autre côté, on va faire la même chose. Alors, voilà. Répéteur redstone. Ensuite, on relie tout ça en quelque sorte. Voilà. Donc moi je vais comment dire, je vais pas comment, je vais pas faire un trou, etc., dans le sol. Donc vous, c'est ce que vous devez faire, vous devez faire un trou pour pas qu'on voit la redstone, etc. C'est juste pour vous montrer comment ça marche. Et ensuite on va, en fait qu'est-ce qu'on va faire, simplement on va poser on va faire comme, on va dire une petite hall, un petit hall, excusez-moi. Voilà, comme ceci. Vous posez deux blocs en fait, et par exemple on va poser un bouton au troisième bloc. Donc si j'ai bien compris, en fait je vais mettre vue d'auteur comme ceci, ça fait. Voilà. Donc au troisième bloc, au milieu, vous mettez un bouton. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement positionner. Hop. Donc normalement ça devrait marcher. Voilà. Donc on peut voir que ça marche là. Ce côté marche à la perfection. Donc ce qu'il faut faire, là on peut voir que la redstone ne fonctionne pas. Donc tout simplement, on met un petit répéteur. Voilà, là ça marche. On peut voir que c'est fermé. Et voilà. Quand on appuie sur le bouton, on peut voir que ça s'ouvre. Ensuite, petit 2, on peut voir qu'il y a un petit décalage. C'est-à-dire que celui-là de gauche, il est il part en premier en fait. Donc pour ceux qui voulaient faire, pour ceux qui voudraient plutôt faire un truc précis, simplement, vous essayez de mettre un répéteur à 1. D'accord, c'est bon, j'ai compris. Voilà. C'est mieux de faire comme ceci. Je mets tous les répéteurs à 1 en fait, comme ça. Voilà, on peut voir que c'est vraiment parfait. Donc regardez, hop, voilà. Donc ensuite vous ouvrez la porte, vous passez, et puis voilà. Donc très attention, excusez-moi, c'est quand même, faut quand même être assez rapide. Hein. On peut voir qu'il y a quelques secondes, mais bon, normalement s'il n'y a pas de problème, etc. Vous pouvez voir que moi je passe largement les yeux fermés. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc voilà, c'est la fin de ce tuto, donc j'espère que vous avez aimé. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, bien sûr abonnez-vous s'il vous plaît. Si vous avez des questions ou d'autres, n'hésitez pas à lâcher un petit com. Et moi je vous dis à bientôt pour l'épisode numéro 5 de la saison Minecraft tuto. Allez, bonne journée tout le monde.